C'est sergent toxique C'est sergent toxique C'est Serge Antoxique C'est sergent, sergent toxique Hello mes Toxicos Comment allez-vous écoutez moi ça va super bien On se retrouve aujourd'hui sur WWE Tokai 16 pour l'épisode 42 Alors avant que ce mode carrière commence Avant qu'on débute cette semaine Déjà bonne année à tous on est en 2016, une nouvelle année démarre. Bon, je pense que... Je pense que franchement, il y a de quoi dire. L'année 2015 était vraiment très rebondissante pour moi. Il y a eu beaucoup de choses. La PGW, WWK16 qui est sorti. Il est sorti en 2015, tout à fait, oui. J'ai jamais compris pourquoi euh, les jeux euh, du futur. Il... Par exemple, regardez. de K16, il est sorti en octobre. Non, en novembre. Euh, en novembre. Excusez-moi, enfin euh, il est sorti en octobre fin octobre, voilà. En octobre, on est encore en 2015, le jeu s'appelle 2 k 16 Dans ta tête, ils veulent te vieillir vite, hein. C'est un truc de ouf, hein. FIFA 15, hein, quand il est sorti, on était en 2014. Dans ma tête aussi. pourquoi vous voulez nous vieillir comme ça les jeux vidéo Oh là 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 là, là Je vous jure hein Moi quand j'ai vu qu'ils qu allaient sortir W2K16 en octobre, je me suis dit mais j'ai pas encore euh, mes 19 ans, donc on se calme. Tranquille parce que mes 19, ans, je les ai le 30 juin. Pour voilà, pour ceux qui le savent. Maintenant, tout le monde le sait. Voilà, il a pas de souci. Avant que cette vidéo commence, euh, je voulais faire une grosse dédicace à deux toxico, euh, à mon toxico, le frère de Halo Glaçon qui s'appelle Ryan. Donc j'y pense, voilà. Et encore un autre à, à qui ça fait 20 que Je vous dis, j'ai fait une dédicace et j'ai toujours pas fait. Et il s'appelle Rider. Voilà. Quelqu'un a des suggestions Il n'y a pas de problème. Ouais, tout va bien. <laughs> en tous les cas, on va enfin partir. Euh, ouais. Elle est pas mal cette musique, j'aime bien. <laughs> Elle est musique de 2K, c'est de la merde. Pourquoi vous mettez des musiques de merde comme ça Alors donc, j'ai changé quelques petits trucs pour Angelo Cook. Nouveau finish, nouveau coup spécial parce que franchement, euh, le finisher de la cocagne de la semaine dernière, j'ai pas accroché au final. J'aimais bien au début, mais t'as vu après, au fil du truc, euh, à un moment donné, je dis vas-y, c'est pas possible. Alors, on va changer déjà, on va rajouter un petit peu d'attributs. Parce que, franchement, 77 de général à l'épisode 40, euh, 42, c'est pas possible. Faut savoir que euh, j'ai acheté le truc pour faire avancer la Superstar, là. Mais le problème, c'est qu'ils disent que je suis pas connecté sur Internet sur le jeu. Alors que je suis connecté sur le PSN à, à Internet, je comprends rien. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais faire Option... Quoi Attends, 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 attends. White. White eh hey, mais ça j'étais pas au courant frère Le con Et lance-moi mon joueur Oh putain Je viens juste de le remarquer les gars. Il y avait un, une option dans 2K16, voire dans le mode carrière pour mettre en les Mais vous, vous pouvez pas me dire ça avant Putain, mais ils sont cons, tout ok Au moment où j'ai lancé le, le mode Mac... Pour ça que moi je me dis, mais C'est trop facile ce mode carrière, mais voilà, mais... White Allez, bah c'est bon, je vais tout régler maintenant, je suis encore plus déterminé. Ouais, je joue en normal C'est le Habs C'est le Habs Dans tous les jeux de catch que j'ai généralement, je mets toujours en légendaire. Sauf que je savais pas qu'il y avait une option euh, dans, de, dans le mode carrière pour mettre en légendaire. Je pensais qu'on qu mettait mode légendaire dans le jeu normal, ça se met. Ah ouais, mais c ils sont vraiment cons, hein Ah, franchement, vous êtes des cons Allez bref, je suis assez énervé parce que je vais juste me rendre compte que depuis le début, je joue en normal. Pour, pour ça que c'était très très simple. Ah, ça me saoule de... Ah oh, ouais, laisse tomber. Eh, je suis semé du jeu là. Oh putain, que je suis semé. Voilà. En fait, je peux tout augmenter là. Easy. Ok, bah vas-y, tu sais quoi, on va bien se mettre. Ah ouais, laisse tomber. Putain. Moi, je pensais que ça, tout s'active automatiquement, en fait. On va se mettre, allez. Ah. On va, on va mettre, je pense pas que ça fasse trop le mec cheaté machin. Bon ta gueule, voilà, merci. On va se mettre à, euh, on va, on va rester, on va se mettre à 86 allez. Non, on va rester à 85, c'est bon. Putain, hein, mais je viens juste de me rendre compte, de... c'est un truc de ouf. Depuis le début, je joue en normal. Ça, je me demandais, mais pourquoi en exhibition quand je joue, c'est plus compliqué et j'arrive à faire des plus. Ah ouais, j'ai le seum, les gars de fou. Waouh. Bref, c'est pas grave. On oh, va partir tout de suite avec de nouvelles bases du coup entre Angelo Cook et Randy Orton et mes toxico. J'ai fait des petits changements déjà aussi au niveau du tatouage. J'ai enlevé l'épée de Lesnar. J'ai mis euh, une petite meuf sur une petite bombe. <laughs> Pourquoi je sais pas <laughs> Oh punaise. Alors donc il y a toujours le Angelo Caio ça je change pas parce que beaucoup aimé Je vous jure dans ma tête là je suis. Laissez-moi le temps de me dire que depuis le début je joue en normal. Parce que je vous jure, hein, j'ai l'impression de jouer en légendaire depuis tout le début. Ça fait, ça fait extrêmement chelou. Allez, bam, le super clic Mais là, je suis énervé, mec. Ouh, tu vas prendre, cher Renji. Allez, prends-toi ça et prends-toi ça. Attention, on fond sur Wendy Autumn et bam. En fait, il y a pas de changement entre le mode normal et légendaire, hein. frère. C'est pareil, en fait. Hein. Non, mais sérieusement, quoi. Euh, alors, je tiens aussi à faire une précision. Donc là maintenant je joue bel et bien en légendaire. On vient de le régler ensemble. Donc on est tous d'accord. Voilà, super. Je passe pour un gros con. Un gros... J'étais même pas au courant. Franchement, hein, Je savais même pas qu'il y avait un mode option. Euh, dans le jeu. J'ai jamais fait attention. Attention, et ça m'empêche pas de lui mettre un Somersault Plancha Lucha les Style Wow En fait, euh, j'ai l'impression de jouer en normal là. Je suis en légendaire, franchement. Hein en fait, il n'y a pas trop de changement, quoi. <laughs> en même temps, je joue déjà en légendaire. Euh, de toute de, de, de façon depuis que le jeu est sorti J'ai toujours fait les matchs abonnés Ce qui fait que je suis aussi un peu habitué à jouer au monde légendaire au final Quand on réfléchit bien les gars euh... Oh tu te calmes s'il te plaît Randy Tu fais super mal à ma tête là T'es au courant de ça ou pas ça te fait rien ça T'as pas d'émotion là Ok le mec il s'en fout royalement Oh la manchette à l'européenne Magnifiquement bien porte, attention ça enchaîne du côté de Wendy Horton qui est en train de me maltraiter en début de ce match, c'est super ça, Wendy. Tu te calmes, Wendy, par contre, s'il te plaît. Attention, ça revient. Le neck break d'Angelo Cook qui va monter maintenant du haut de sa troisième corde. Non, 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 non. Wendy, 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 Wendy. Je, je m'attendais à mieux venant de ta part, Angelo, quand même. Hein. Je tiens à te le dire. En tous les cas, j'espère que vous aimez bien la petite bombe que j'ai sur le, le body, là. Montre à tes... Voilà, regardez la petite bombe, là. La petite meuf. Au calme. <laughs> au calme, zère. Je voulais me prendre un tatouage de couleur au début mais je me suis dit ça ferait un peu chelou. Donc du coup au final j'ai préféré la jouer classique, la jouer normale. Et eh bah ben, j'ai laissé comme c'était. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Vous allez me dire, ouais, toxique, faut se prendre plus la tête, machin, mais non. Hein. Allez, attention, on le chope sur les épaules, la magnifique souplesse, magnifiquement bien portée par Angelo Cook. Euh, je suis assez fatigué, les gars, une fois de plus. J'ai passé une semaine, bah ben, les semaines de vacances, c'est mortel. Mais le problème, c'est que tu fatigues plus vu que tu fais des journées 8h, 19h des fois, enfin souvent. Et ce qui fait, bah ben, forcément, euh, t'es un peu dans les pommes. Je tiens à faire un gros big up à, à tous les jeunes enfin à tous mes jeunes que j'ai je pu avoir cette semaine euh, à mon à mon taf dont because euh, tu vas calme-toi la reine attention Wendy qui va commencer à revenir Wendy boum le père que ça ça calme ça ça calme direct hein, bref je tenais à faire une grosse à R1

Wow mais à chaque fois, je suis à ça d'y passer, mais comment je suis trop balèze hein. Franchement, des fois je me sens plus. Oh attention, je me le Delutu Magnifiquement bien porté par Randy, s'il te plaît, toi et moi on n'a pas chassé des poules pour rien. Allez, petit moucheron va là-bas. Oh non, oh non, Angelo, Angelo, Angelo. Oula, où oh, le bâtard Ouh oh, oh, Le doigan Whip Magnifiquement bien porté oh, 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 oh. oh là là Attention, Joe, la troisième corde Le Swanton and... Oh mais il est fou il vient d'atterrir sur le dos. Oh, oh, oh. oh le match. Eh, franchement il est chaud. Bref, je tiens à faire une grosse écasse. Air One, donc c'est un petit euh, bah, qu à qui j'ai pu m'entraîner. Avec qui, Oula avec qui j'ai pu... Bah, c'est un jeune que j'ai pu avoir cette semaine. Un des jeunes que j'ai pu avoir cette semaine. Et on a parlé de pas mal de choses. Euh, plus tard, donc il m'a dit, en fait je l'ai aidé pour son nom. Et en fait c'est un mec qui voudrait faire des vidéos sur Minecraft Et je lui ai dit bah prends comme nom Hunger Boys Et, et au final en plus ce qu'il m'aura apporté euh, durant cette semaine Il m'aura apporté un nouveau nom euh, pour mon prochain top 5 youtubeur pour l'épisode 3 bon Là je suis pas encore tout à fait concentré les gars Je vous avoue que la semaine elle a été très rythmée pour moi Du coup je suis un peu encore dans les pommes Bref je l'ai aidé pour, voilà, pour trouver son nom Attention le Angel Oh putain merde Wow, je confonds tous les noms des prix, c'est un truc de ouf hein, cette semaine. Le Argentine Slam, voilà. Ou le Olympic Slam. Hein, ça, aussi, ça aurait été euh, notre ami Kurt qui l'aurait porté. Eh se... hey, tu te calmes là-haut Ça se serait appelé comme ça. Attention, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Regardez-moi ça Le Lions saute Le Lions saute Il lui a sorti ça comme ça, easy life Qu'est-ce qu'il fait, Angelo Angelo Attention, c'est parti vraiment ça. On enchaîne, on chope Ouais, voilà, la, la nouvelle prise de soumission d'Angelo Cook que j'ai appelé. Je, je sais même plus comment je l'ai appelé en plus. Oh, je me souviens même plus. Oh les gars, j'ai un trou de mémoire. Je sais même plus comment je l'ai appelé. Bon, va falloir de toute façon, vous inquiétez pas pour le prochain épisode, je m'en souviendrai. S'il te plaît, Randy, lâche-moi Randy. Attention sur les épaules de Wendy Houghton, la magnifique Souplex, magnifiquement bien portée. Donc, il voulait s'appeler Hunger Peckage ou je sais plus quoi, un truc dans le genre. Attention, Randy, mon champ, il me ramène. Wendy Houghton, le Spike, non Randy, s'il te plaît. Je suis en train de parler d'un de mes petits, et toi, tu m'embêtes, là. Le tomber, c'est peut-être la fin, c'est peut-être fini, et non, Randy Orton, il en faudra plus. Wendy Orton. Et Randy, maintenant, qui va se lever. Enfin, qui est déjà debout, en fait, hein, C'est moi qui est en galère. Eh hey, oh! Tu te calmes, là! Attention. On va y, on va essayer, on va essayer. Hein. Oh merde, oh merde, oh merde! Putain, le bâtard! Projection d'accord. Oh non, oh non, oh non, oh non! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Attention, ouais, le coup de la corde à lâche. Magnifiquement bien porté par Andy Orton. En fait, il y a vraiment une petite différence au final entre le, entre le mode normal. Oh, attention, c'est parti. Le finisher de la cocaïne. C'est terminé. C'est terminé. Regardez-moi ça. Et je boum. C'est fini. C'est fini. On y va. Le tomber, monsieur l'arbitre l'arbitré. Et deux. Et trois. Oui. La victoire de Angelo. Coke Eh ouais je l'ai battu, c'est un petit fifou de live, il croyait qu'il me battra. Ben il me battra pas moi. Kinkinia. Kinkinya. En tous les cas, ce match était quand même pas mal. et eh, franchement les gars, j'en viens toujours pas. Je me plains depuis le début. Parce qu'en fait, quand je lance le jeu, ça me dit que tout euh, le mode en ligne n'est pas activé, machin. Et moi, pour le mode, pour le mode que j'avais acheté, le mode du joueur, je pensais qu'il fallait euh, que ce soit en ligne. Enfin, j'avais pas compris en fait. Et je viens juste me rendre compte dans cet épisode. Qui y avait une option dans le mode de ma carrière. Je n'ai jamais fait attention. En tous les cas, j'espère que ce nouveau finiture de la cocaïne vous plaît bien. J'ai beaucoup de mal à trouver les finitures que je veux. Donc, n'hésitez pas aussi à m'en suggérer dans les commentaires si vous en avez en tête. Il hein, n'y a pas de problème. Donc, je vais enfin pouvoir parler de ce que je voulais parler juste avant. Voilà, donc gros big up à One qui m'aura même présenté un, un YouTuber qui l'aime beaucoup, qui a 11 000 abonnés. J'ai pu regarder ses vidéos avec lui au taf directement, on s'est posé dans un coin avec mon phone, il m'a montré. Et bah j'ai trouvé un, un prochain YouTuber pour mon épisode 3 de mon top 5. Donc au final, je le remercie, il m'aura quand même servi à quelque chose, ce fou. Voilà, voilà, il m'a souhaité une mauvaise année, s'il te plaît. Il m'a dit, euh, Guillaume, je te souhaite une mauvaise année. Mais, moi, tu sais, je lui dis, je te souhaite une... bonne. Les enfants, franchement, il n'y a plus de respect, hein. Eh, hey, je vous le dis, hein. Il y en a beaucoup. Vous savez ce que j'ai fait comme, je, comme activité, ils m'ont tellement saoulé. J'ai fait activité jeu d'opposition. C'est-à-dire on était sur un tapis, ils veulent m'attaquer et je attaquer, moi je les rigole. <laughs> je leur ai fait des body slams j'aurais tout fait. Laisse tomber. Mais à la fin, ils sont jetés sur... ah, c'est des animaux des fois. Oh, laisse tomber. Il y en a, tu ils, ils te font des marques hein. Et toi tu peux les taper. Tu vois, tu vois pourquoi Ah oui. Je te tape, tu te fais virer. <laughs> non, mais on rigole moi franchement, je sur kiffe mon taf, c'est un truc de ouf. Toi, je te jure que je vais te régaler Big Show. Donc, <coughs> on est parti pour le prochain match face à l'athlète la plus large du monde, face au Big Show à Monday Night Raw. Et ça fait, franchement, ça fait bien plaisir de l'affronter parce que voilà, ça, euh, je la dernière fois que je l'ai affronté, bah, j'ai jamais affronté en fait en un contre un. Donc ça peut être pas mal en sachant qu'il a affronté Brock Lesnar récemment. Et ce match devrait être énorme. J'ai aussi changé euh, bah, euh, sa, sa position d'affiche à l'écran. C'est-à-dire, quand vous le voyez devant lui, devant vous, voilà, why devant lui. Alhamdulillah, pardon, bismillah, tcha, la, Et on est parti, le super kick, Voilà. Ça, c'est pour mettre tout le monde d'accord, et bim, et bim, et bim. Par contre, je vais galérer pour le mettre le finisher de la cocaïne, quand même, hein. Parce que pour le retourner, bon, il y a quand même une différence de taille, quoi. Attention, et boum! Oh, l'ordure! Il a esquivé, quoi. Non, mais j'y crois pas, là. Attention, et boum! Boum, Ronick Bulldog, magnifiquement bien porté. Je vous sors des prises que moi-même, j'avais complètement zappé que je les avais mis, tu vois. Allez, projection dans le coin. On y va, et super kick dans la face du Big Show. Eh, mais je suis content, j'enchaîne grave bien et tout, ça fait plaisir. Allez, on y va, on y retourne, on arrive, et je boum, Cette fois-ci, je le décapite la tête. Voilà. Parce que je vais décapiter la tête. Il y en a souvent qui font la remarque comme quoi. Oh! Tu fais quoi, là? Oh, tu te crois où, là? Eh, on n'est pas chez ton père, le Bulldog, hein. Non, mais sérieusement, quoi, le type, euh, aucun respect, il m'envoie comme ça dans les airs, euh... oh, <laughs> ouais, tu te calmes, s'il te plaît, par contre, attention, il me chope, c'est contré, le reverse, STO, le STO inversé, magnifiquement bien porté, on va maintenant duo de cette troisième corde, j'arrive, Chobig, bon, je t'attends, Chobig, allez, Chobig, viens. viens, 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 il arrive, mesdames et messieurs, il... Et... Ouh, d'Abalaxondo qui directement sur le dos et on le relève maintenant. Prends-toi ça et prends-toi ça. On y va. Projection dans les cordes. On va tenter. On va tenter. Attention. kick, oh, oh oh Et que ça c'est beau. Et que ça c'est beau. Projection dans les cordes. Il revient. Là, non, 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 le bâtard, t'as esquivé, hein attention, écoute la canalage. J'ai Big Show qui vient de péter un plomb sur Angelo Cook, attention. Le Big Show qui relève Angelo. Qu'est-ce qu'il fait ses contre et tu. En fait, le mode normal et légendaire, y a pas de différence, hein. Franchement, euh, c'est pareil, les gars. Là, je suis en mode. J'ai l'impression d'être en mode normal. En même temps, j'ai l'habitude de jouer en légendaire. Donc, euh, peut-être pour ça. On passe au-dessus. Il revient. Attention. Et le coup de la l'âge Le Big Show dit. Non mon pote, tu m'auras pas à l'usure. Attention, Show qui me retourne, il chope mon bras. Non, non, non. Aïe <laughs> J'ai mal quand même. Oh. Ah oh là 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 là. Mais quel toupé, quoi. Tu te calmes, s'il te plaît. Voilà. Ah voilà. Ma, mon nouveau, ma nouvelle prise de finition, je vais appeler le coq. Attendez. Je réfléchis. Comment je peux l'appeler le coq, leg, submission. Voilà, ça, c'est beau. Parce que j'attaque les jambes et justement, on va le tenter, mesdames et messieurs. Le coq, leg, submission. Regardez-moi ça, c'est maintenu. C'est maintenu. Regardez Angelo qui est en train de maintenir, mais il a dû lâcher parce qu'il n'était pas assez KO et on enchaîne. Merde, on n'enchaîne pas au final. On n'enchaîne pas les gars. Le Big Show qui me chope. Non, le Big Show s'il te plaît. Sur les épaules. La magnifique Soplex. Magnifiquement bien portée. Par l'athlète la plus large du monde. Qui va redresser Angelo. Regardez comment il est en train de le maintenir. Ça fait mal. Ça fait mal. De vivre sans le Big Show. J'ai mal à la laine. J'ai pu de la laine. Oh. On se calme Denis Allez, attention, on va y aller maintenant, on enchaîne tout de suite. Le Big Show qui va se relever face à Angelo Cook. Attention, on le retourne, c'est parti, c'est contré. La souplesse. Oh, yeah, magnifiquement bien porté par The World Large Athlete qui maintenant me relève. Il va peut-être enchaîner. Et le spear, c'est contré, mon pote. <laughs> Trop. Faible big show pour Angelo Cook. On y retourne. Projection directement dans le coin. On y va. Le coup de bélier. Je me sens mal. Sans mal. Euh, je me sens mal. Tu vas te calmer, mon pote. Et tu vas te prendre mon coup de bélier. On revient. Deuxième coup de bélier. La chanson du bélier. Suivi de la Là je rigole plus mon poteau. Allez. On attaque maintenant directement la jambe. Moi, je suis agressif. Hein, il fou. Hein. Regardez-moi ça, comment il ma tient. Regardez, regardez-moi ça, il est fou. La soumission, il sort de ses trucs, Angelo Cook, face au Big Show. Mais il est obligé d'agir comme ça. D'avoir des, ag des agissements de la sorte face à The World jette Atlet. Projection dans le coin. Qu'est-ce qu'on va faire Oh non. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Coup de pied. Le... Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Face au Big Show. Il est fou. Regardez-moi ça, ce psychopathe. Ça psychopathe Le, non, le Angelo figure faux Ouh, oh, 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 oh. oh, les cocognettes Ouh, les jambes Regardez-moi ça Angelo Coq Ce mec est malade Ce mec est complètement attardé C'est pas possible Et maintenant, on va le relever Alex during. On le chope Oh là ou oh là ou oh là, oh là Il a peut-être trop voulu en faire Il a trop voulu en faire Regardez-moi ça Ouh, la tête première sur le poteau Magnifiquement bien exécuté par le Big Show Qu'est-ce qui qu fait le Big Show? Mais tu vas te faire disqualifier, mon pote! Tu vas te faire disqualifier! Cours, Angelo, cours! Il est con. Ce mec, il est con. Putain. Non, mais j'aurais kiffé une victoire de ouf. Et lui, il en... yeah, le Big Show, il en a eu marre. Il a dit, vas-y, c'est bon. J'arrête, je veux le taper, c'est bon. Comme ça, je me débarrasse de lui. Ah, il a eu peur. Vous avez senti cette petite peur en lui, là? Elle était grosse, hein. C'était une grosse peur, hein. Flippette, va. Flippette de show va. Espèce de show flipette va. C'est <laughs> chaud, <show> flipette. <laughs> Genre, c'est une fille, quoi. Mais, un gars, ok. Un gars. Bref, pour R1, je lui ai donné comme pseudo pour euh, ce qu'il va faire une chaîne euh, Minecraft et mignon. En même temps, il a encore 10 ans. C'est ça que je lui ai dit. Euh, si tu choisis un nom, franchement, hein, faut vraiment que ce soit un nom à la longue. Parce que je lui ai dit, si tu choisis un nom maintenant et que dans 5-6 ans tu veux changer, les gens te connaîtront avec le nom que tu as choisi, forcément. Du coup, moi, je vais conseiller Hunger Boys. Ça, c'est d'art. Parce que dans Hunger Boys. Y a Boys, le garçon Hunger. Bon, voilà quoi. C'était ma suggestion. Mais bref, franchement, on a vraiment longuement parlé de sa chaîne YouTube et c'était vraiment super sympa. On va monter. Euh, attendez. Un attribut. Franchement, hein, je suis à 85 général. Je passe quand même de. Euh, J'étais combien là juste avant J'étais à 77. Je passe quand même. Ouais. Franchement, ça fait plaisir, quoi. On va monter quoi un peu On va monter euh, porter aérienne. Ça c'est bien. On va monter à la défense soumission technique, soumission brutale. Ah, franchement, là, là franchement, j'augmente un max. Hein. Voilà, coup, ça c'est bien. Puissance accessoire, puissance du décor, porte aérienne. Voilà, au max. Euh, puissance course, ça c'est nickel. Voilà, ça fait plaisir là. Qu'est-ce qui se passe maintenant Force. Euh... Ah bah, attends, on va peut-être baisser un peu quand même, parce que sinon, ça fait un peu trop cheaté le type. Je peux plus baisser là. Sérieux Bon bah, on va laisser comme ça. Hein, C'est bien ça, 89. Voilà, je suis refait. <laughs> et je suis bien en mode légendaire, les gars. Cette fois-ci, je vérifie quand même encore une fois. Ok, nickel. Entrée sous titre non. Lorsque mon joueur actif. Voilà, nickel. Eh, franchement, ça me fait bizarre. Hein, je ne me suis pas encore remis. Je suis à 116 000. Et il faut... Attendez qu'on regarde ça ensemble. Personnage. Manager pour Paul Heyman. Il faut exactement... 320 000, donc, j'ai le temps d'ici là. Après, une fois, Paul Ayman acheté, bien sûr, j'achèterai des OMG, etc. On fera tout ça ensemble, vous inquiétez pas, mes toxicos. Et on est parti maintenant, face à The Killer, face à l'Apex Apex Point Attendant Viper, de Sass Wendy, Autumn, oh, que j'ai déjà battu. Et auquel, okay, je vais faire un plaisir de le rebattre. J'espère vous kiffez bien mon nouveau Finisher de la cocaïne. Et si vous voulez le changer, euh, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et je verrai. Donnez-moi des noms de finitures vous aimeriez bien avoir. Je regarderai ça et je choisirai mon préféré. Et ça, ce sera pour Paul Heyman parce que là, ça me saoule de changer. Je suis le seul YouTuber qui vraiment est à votre écoute, au euh, niveau des changements, etc. D'ailleurs, j'ai même enlevé le Coke City qui est derrière mon, mon jean. Et je l'ai mis au final, euh, à la place du Paul Heyman Guys. Donc j'ai mis Coke City en gros, au final, sur mon pull, au derrière. Comme vous le savez, de base, c'est écrit, euh, bah, c'est écrit Paul Heyman. Et voilà, j'ai fait le changement. Comme ça, quand je remets pas les mains, là, je le mettrai. Et comme ça, voilà. Je trouve, que ça fait un peu mieux. Attention, mais arrête, Randy, là, je suis pas un chat, wesh. Lui, il m'a pris, pris pour son chalon. Eh, je viens pas de chalon, frère. Je suis un chat qui vient pas de chalon, moi. Je viens de rien du tout. Mais laisse-moi tranquille. Eh oh, prends-toi ça. On le calme et boum, bouffe les escaliers maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce qu 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 Vous savez, cette semaine, donc, j'étais chez les élémentaires. Ça me change des matières. Et le kékinien, je l'ai quand même fait. Hein. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Attention et BAM! Je kiffe le kékinien. C'est un truc de ouf. Ah là là. On est parti, en tous les cas, on a fait vraiment des bonnes choses. On est, pas, on est même parti, je suis parti euh, jardin d'acclimatation. Moi j'ai juste eu le gros somme. Parce qu'un de mes petits qui n'a pas pu faire d'attraction au final. Euh, en fait, on avait rendez-vous à 15h50 pour, le, pour prendre le car pour entrer et au moment où je voulais faire son attraction bah il était euh, 4, euh il était euh, 4, euh, 15h47 du coup on a dû partir en... on était à ça et on, il voulait faire du karting. Et karting c'est là. moi je voulais en faire aussi mais malheureusement bah c'était euh, de... c'était deux tickets et voilà pour moi il n'y avait pas. Moi j'ai fait que le truc le truc de merde à le dragon là. Ah oh, ouais les petits ils étaient en, ils étaient en train de hurler. moi je baillais frère euh... Ah ouais, sérieusement quoi. Le, le jeu du dragon, vous savez pas c'est quoi C'est juste un truc en fait où vous mettez dessus et juste ça fait, euh, bah ça, ça ça va ça va super vite, Enfin vite. Excusez-moi, mais quand on a fait euh, le, quand on a fait ça, j'ai le truc qui fait flipper là, le même ça commence par A Z là, au parc Astérix là, le Zucker, je sais pas quoi là. Excusez-moi, mais quand on a fait ça, franchement les attractions ça fait plus peur quoi. Et, aïe, euh, mais ma jambe! Euh. Dites-moi d'ailleurs vos attractions préférées dans les commentaires. Ça ferait vraiment très plaisir, euh, Désavant tous les cas. J'ai vraiment passé une super semaine et voilà, c'est vraiment mon taf, c'est, c'est ma life, quoi. Allez, on est reparti. Du de la troisième corde. Mesdames et messieurs, on y va. Le moonstomp sur Randy Orton. Eh, mais je sors des coups de folie cette semaine. Eh, vous êtes gâtés, Si hein. S'il y a un mec qui se plaint des coups que je porte, euh, franchement, il y a un souci quelque part, quoi. Randy, je t'attends. J'ai pas que ça à foutre hein. Enfin, j'ai pas que ça à faire, pardon. Allez, on y retourne, c'est parti. Projection dans les cordes. Il revient. On passe au dessus. Ça revient. La pop-up. Oh, pop eh mais lui, il prend cher au pop-up. Hein. Ah, il n'y a, y a que lui euh, que je lui mets autant de pop-up, quoi. Allez, on enchaîne. C'est parti. On y va. Et bâtard. Le canari. Le canari. Attention la souplesse. C'est contré. Tu te calmes, s'il te plaît, là-haut. Et boum <laughs> Je me sens seul au monde. Je me sens très seul au monde. Je me sens très seul. Je me sens très seul au monde. Oh non, oh non, non non s'il te plaît, s'il te plaît. Le neckbreaker magnifiquement bien porté par Orton. Il est en train de s'amuser avec moi. Quoi Il m'a pris pour une poupée là. Je suis pas une poupée, Randy. Attention Argentine Slim. Ah oh là 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 là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour lui, mais il va mal finir là. Je le dis à, non, non, non. Et regardez-moi voilà, ça maintenant, le tour du monde à la Randy Orton qui est en train de maltraiter son adversaire en faisant le tour du monde. Regardez-moi ça, cette vipère. Waouh, il est en train de péter des plots sur Angelo, la tentative de tomber qui suit. Eh, hey, hey, oh, tu te calmes. Déjà, j'ai bien le seum d'avoir perdu. Enfin, face au Big Show. Parce que le gars, il a pas supporté le fait de se faire balader. <laughs> non, mais sérieusement, attention à la souplesse. Ah, Magnifiquement bien porté Oula, Wendy Horton qui va enchaîner sur Angelo Je crois qu'au final le mode légendaire joue beaucoup Attention, le RKO de Wendy Horton C'est terminé, c'est fini Angelo et le Robweck <laughs> Oh, il est con ce gars Il est teubé, il est débile Attention, troisième corde Oh donc faut savoir qu'en vidéo, c'est vrai qu'il m'arrive de dire pas mal d'insultes, mais c'est familier, c'est pas contre vous, c'est bien sûr sur le jeu, sur le coup, machin, parce que sachez qu'en réalité, j'en dis quasiment jamais. C'est pas je sais pas, je, je bois pas, je fume pas, je dis pas de gros mots, enfin j'en dis après mais pff, voilà quoi, je suis pas un, je suis pas un... Comment dire Je suis pas J'ai pas besoin de ça pour parler, quoi. Il y a des gens ils, ils parlent, ils ont besoin que des gros mots pour parler, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Juste en vidéo, quand je pète des plombs, machin, ouais. Mais voilà, quoi. Les vidéos, ça permet aussi de se défouler. Puis en même temps, même si je voulais en dire, je pourrais pas. Je vous rappelle que je suis animateur. Hein. Et euh, même si je donne euh, les... Un, quand j'en parle, c'est vrai. Ça peut paraître le mec un peu fou avec les enfants et tout. Mais c'est vraiment un métier que j'adore, que quoi. Donc euh, qui dit métier que j'adore dit aussi sécurité ça dit plein de choses c'est bon si je commence à rentrer dans, dans ces délire là on retourne au bafa dans ce cas là mais tu es en train de m'enchaîner mais Randy Anton est en train de s'amuser avec Angel Lecoq, c'est pas possible regardez-moi ça il va y tourner la tentative de tomber c'est peut-être la fin et un et non, il en faudra plus, Wendy Orton. Et Angelo est en train de se faire maltraiter par de l'Engine Killer qui a, je pense, mal pris le fait. Attention, c'est parti. Et de son côté, voilà, ouais, moi, ça s'enchaîne. Attention, on y va. On y va. C'est parti. Ouh là, 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 là regardez-moi ça comment le, eh, bah, oh, il en faudra plus. Il en faudra plus, Angelo. J'aurais tenté au moins. C'est toujours ça de, c'est tu... c'est toujours bien. Attention, ça revient, on passe au-dessus. Attention, là. Elle est trop bizarre. Et on enchaîne, c'est parti, on y va, on retourne finiture de la cocaïne! Waouh! Boum! Voilà, ça y est! Bam! C'est terminé. C'est peut-être fini. C'est peut-être fini. Le tombé. Et un. Et deux. Et non! <laughs> Il en faudra plus face à la Legend Killer. Face à la Vipa, Et justement, J'en veux plus, Randy, il a pas de souci. Et prends-toi ça, et prends-toi ça. Attention, on enchaîne, c'est parti, on le chope. Le coup de poing dans l'abdomen. Oh, attention, le magnifique springboard à me doig. Ah, magnifiquement bien porté. Et je suis content, je suis fier du fromage blanc. <laughs> Allez, on y retourne. Projection directement dans le coin. Très bien, super. Allez, on le balance, on le récupère. La German Soplex. Coucou. City Beach et BAM! Tu te calmes, s'il te plaît, là-haut! Allez, on y retourne, prends-toi ça, et prends-toi ça, une nouvelle fois! Et eh ben non, ça passera pas! Wendy, dis pas ce dernier mot! Randy, attends, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, le coup de poing dans la face! Non, Randy, Randy, Randy va y aller! La... Non, 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 Randy, Randy, Randy! Non, non, pas ça, pas ça! La plus. Il est fou! Ce mec est complètement timbré, regardez-moi ça Plus de 5 mètres d'auteur, cette superplexe sur Angelo Cook Waouh, quel match Quel match entre les deux ennemis, c'est pas possible Randy Cook, ça part en cacahuète Attention, Orton qui relève maintenant Angelo Qu'est-ce qu'il fait Randy Randy s'est contré Tu te calmes Randy là-haut Attention il bouffe le poteau maintenant Et on retourne dans le ring Oh calmus Qu'est-ce qui se passe maintenant ça va, monsieur tranquille, bien, pépère, la famille, tout ça, pépère, bien. Eh ouais, je fais le tour du ring, tu sais pas quoi faire maintenant, t'es paumé, tu sais plus où tu es. Je m'amuse, c'est l'amusement total, tu reviens dans le ring, c'est super, casse-toi, dans le coin, voilà. <laughs> Attention, le coup de bébé! Le backflip en arrière, on revient. Cool belé. Suivi de la magnifique Cannonball. Dans les dents, dans les narines, dans tout ce que tu veux. Et on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. On le place maintenant ici. C'est parti, on le chope. Et non, ça passera pas face à Wendy Horton. Attention. Oh, <laughs> m'a assiégé avec un coup de poing, quoi. Ah, il m'a mis au sol, le type. D'accord, Renji. Bah, écoute, je te fais aucun mal, s'il te plaît, Renji. Calme-toi. Attention, il me chope. Il passe par derrière. Backbreaker man, magnifique, j'avoue c'était beau gosse, c'était très 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 beau gosse. Attention. Switch up. non non. Ah là 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 là. Bref, par rapport encore Air One, je reste bloqué dessus, mais c'est parce que c'est vraiment un petit euh, avec qui j'ai vraiment passé bah, pas mal de temps à parler de YouTube machin, vu qu'il voudrait faire la même chose que moi plus tard, donc c'était assez flatteur au final, donc voilà pourquoi j'ai que lui en tête. <laughs> mais franchement j'aime tous mes jeunes mais c'est vrai qu'après quand t'as quelqu'un qui veut faire ce que tu veux puis qui t'écoute vraiment machin qui est quand je vous dis écoute vraiment il écoute x 5 hein c'est à dire je lui parlais il était ah à... il était genre euh... genre j'étais un prof quoi Tibo Soplex. bon faut qu'il fallait quand même que je vous rappelle que je suis animateur parce que prof euh... je crois qu'il y a pas allé bien loin allez projection des cordes ça revient pop 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 ah, mais c'est fini là c'est terminé le tombé, Monsieur l'arbitre et deux Quoi C'est sérieux là Wesh Hein 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 Bon, en même temps, il s'est pris pas mal de coups, hein. Au final, je, jamais, j'aurais pensé que le pop up bon bomb m'aurait servi un jour quand j'ai démarré ma carrière. Pff. Comme quoi, on est souvent surpris, hein. <laughs> on va peut-être la voir d'ailleurs. Non, elle est après. Ah bah merde, je l'ai zappé. Voilà, comme un con. Et bah voilà, super, bravo Angelo, bah très bien, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Bref, mes Toxico. L'épisode combien bah, C'est l'épisode... L'épisode... Attends, je sais même plus c'est de combien celui-là. L'épisode 42. Waouh L'épisode 42. C'est trop beau. L'épisode 42 où j'ai enfin compris que dans les options, il fallait régler en légendaire. Et bref, tous mes matchs ont été bien en légendaire aujourd'hui, dans ma carrière. Ce qui fait que... Inch'Allah, bismillah là Ce qui fait que... Bah ça fait très plaisir. Bref, mes Toxico... On va vite faire savoir euh, qui sera mon prochain adversaire. Donc, oh merde, Brock Lesnar, faut, faut pas que j'oublie qu'il faut que je l'attaque lui. Et bref, c'est bien jeudi, SmackDown. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était toujours vendredi. Et quand j'ai vu ça, bah, ça m'a plutôt étonné. J'ai fait ah ouais, ok, d'accord. Donc, je me suis gouré. Bref, voilà, j'étais très mal. Et bref, c'est bien Tuesday Night SmackDown et Friday night, et euh, Monday Night Raw. Pardon. oulala, là là, me disputez pas s'il vous plaît. <laughs> bref, mes toxicos, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Peace et demain, 8h, ok.